Ok. Salut à tous. Tous en cœur. Hop là. Voilà. Bon, un petit peu de retard. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai un petit doute là sur les écouteurs. Alors, si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous entendez bien le son qui provient des écouteurs ou si le son est loin, ça me permettra de voir si tout fonctionne bien. Ok, si c'est comme d'habitude, c'est au top. Alors, j'espère que vous avez la forme. Donc, salut Bernard, salut Emmanuel, salut Nico, salut Régis, Stéphane, Alain, Carlos. Ok, Michel, William, Yann, Norman, Luc, Vincent. Bon, je vais pas citer tout le monde, il y a beaucoup de monde, mais merci de commenter. Alors aujourd'hui, dernière petite séance avant le week-end. Le week-end où vous allez pouvoir vous confiner chez vous pendant 2 jours. Donc la folie, voilà, avec le sourire. Non, plus sérieusement, donc on va faire une petite séance. Je mets à chaque fois le mot petite, mais celle-ci, elle est quand même un peu plus facile que d'habitude. C'est une petite séance, histoire de brûler quelques calories avant ce soir, si vous allez faire des écarts, etc., selon ce que vous avez mangé, profiter du week-end. Donc c'est plutôt une séance, on va dire, axée cardio, même si ça va quand même faire travailler les muscles. Mais le but, c'est quand même de faire monter le cardio. Donc, on va s'échauffer tranquillement et je vais vous expliquer de quoi il en est. Salut Mika, salut David, Julien, Cédric, Jérôme. Yes, bon, il y a du monde. Au top. Donc voilà, plutôt cardio, pas besoin de matériel pour cette séance-là. D'accord? Donc juste un tapis, une serviette pour vous essuyer parce que croyez-moi, vous allez transpirer. Et puis voilà quoi, vous et votre motivation. Donc pensez aussi à prendre une petite bouteille d'eau. Et puis on va s'échauffer tranquillement les articulations. Moi j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de m'entraîner à cette heure-ci. Donc je suis un petit peu rouillé. Donc on va déjà dérouiller un petit peu tout ça. Je suis allé faire les courses aujourd'hui. C'était une grande épreuve. J'ai mis 2 heures à faire les courses. C'était magnifique. Donc, il y a peut-être 2 exos ou 3 exos que vous ne connaissez pas. Je vais vous les montrer. Donc, l'idée, ça va être d'enchaîner 6 exercices. Donc, c'est vraiment un circuit training. Donc, assez complet. Chaque exercice, il ne va pas durer longtemps. Donc, ça, c'est l'avantage. Psychologiquement, ça va être facile à tenir puisque chaque exercice, on va le faire pendant 20 secondes. Donc, 6 exercices, 20 secondes chaque exercice. Donc, si je ne suis pas trop mauvais en maths, ça fait 2 minutes d'exercice. Et on va prendre 1 minute 30, 2 minutes de récupération. Et on va le faire 4 fois. Et après, il y aura un autre circuit pour les abdominaux. Mais je pense qu'à 19h, vous êtes libre de regarder Cyril Lignac sur M6 pour vous préparer à manger tranquillement. Alors, continuez de vous échauffer. Je vais vous montrer les exercices. Donc, on va faire pendant 20 secondes des fentes. Donc, classique. Là, pied gauche en avant. Je descends. Genre à droite devant moi, j'essaie d'être équilibré. Ici, je ne viens pas toucher le genou, j'essaie de garder le dos droit, la poitrine sortie, et je m'équilibre avec les bras. D'accord? Donc vraiment, la jambe arrière, elle vient pousser avec le fessier, et la jambe avant, elle force avec le quadri. Et vraiment, essayez avec votre pied qui est en avant, donc là, ça ne se voit pas trop, mais de pousser plus avec le talon, faut que vous le sentiez, plutôt qu'avec la pointe. Ça va vraiment mieux solliciter les fessiers. Donc essayez de garder ça à l'esprit. Donc on va faire 20 secondes. La jambe gauche, 20 secondes, la même chose, la jambe droite. Ensuite, un exercice que l'on n'a jamais fait. Ça va être les burpees. Alors, les burpees, pour ceux qui font du crossfit, vous connaissez. Pour les autres, je vais vous montrer de quoi il s'agit. En fait, l'idée, c'est de faire une pompe, hop, de se relever et de faire un saut. Refaire une pompe, hop, et on fait un saut. Donc ça, c'est la version classique des burpees. La version plus facile, déjà, ça va être quand on va venir faire la pompe, de venir laisser traîner les jambes ici, par terre, de faire la pompe et de se relever. Donc pas vraiment une pompe stricte. Et une version encore plus facile, vous faites juste, hop, et vous vous levez, et vous refaites. Et vous vous levez. Donc voilà
les trois versions de difficulté, on va dire. Ensuite, l'exercice qu'il y aura après, c'est les fameux jumping jacks. Cinquième exercice, ça va être les pompes en triangle. Alors, pompe en triangle, c'est quoi? C'est comme une pompe classique, sauf qu'au lieu de placer les mains comme ceci pour faire une pompe, ce qu'on va venir faire, c'est faire un petit triangle devant nous, à peu près au niveau de notre poitrine. Alors, c'est plus difficile que les pompes classiques. Ça permet de travailler un petit peu mieux le triceps. Et pour ceux qui n'y arrivent pas à faire les pompes en triangle, je vous invite à faire les pompes en triangle sur les genoux. Ça va quand même mieux solliciter vos triceps. Donc, c'est un plus par rapport aux pompes classiques. Et enfin, dernier exercice, un exercice plutôt sympathique. Je ne vous ai pas mis le mountain climber parce que vous ne l'aimez pas trop. Je vous ai mis l'exercice du breakdance. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est de partir en position pompe, de descendre un bras, puis de descendre l'autre bras, de remonter, clac, 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 hop, hop. Tout ça, bien sûr, sans creuser ici le dos et les fesses, ok ? En essayant de garder le dos droit et en serrant les abdominaux. En fait, c'est du gainage un petit peu dynamique qui va aussi travailler l'avant de votre épaule. Donc voilà pour le gros bloc de circuit training. J'espère que pendant ce temps, vous n'avez pas juste regardé, vous êtes échauffé parce qu'on va commencer dans quelques minutes. Donc, ça vous laisse le temps de trouver une petite playlist, pour vous entraîner, d'aller chercher votre bouteille d'eau. Moi, je finis de m'échauffer tranquillement, surtout les poignets parce que ça va pas mal morfler avec les burpees, les pompes triangle et le breakdance. Un petit peu la nuque. Donc, est-ce que vous êtes prêts, vous, dans les commentaires? Dites-moi-le. 20 secondes chaque exercice, 1 minute 30 de récupération et on fait le circuit 4 fois. Yes. Yes, Arnaud, tu pourras le faire en replay. Tu pourras faire en replay, Arnaud, l'entraînement, si tu le souhaites. T'inquiète. Ok, déferlante de près. Vous êtes chaud. Interdit de se blesser, hein. C'est pas le but. Allez. Donc, on va partir sur ce circuit-là. Restez bien jusqu'à la fin. Le cadeau, c'est que si vous restez jusqu'à la fin de ce circuit-là, vous avez le droit à un circuit abdo du tonnerre en cadeau. Alors, c'est parti, je me mets la musique, je prends mon chronomètre, yes, 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 j'ai reçu des messages entre temps. Allez, on est parti, donc les 20 premières secondes, c'est fente. On commence par la jambe que vous voulez, mais essayez de commencer toujours par la même jambe. 3, 2, 1, je monte le son. Et c'est parti, top. Voilà, donc pas forcément écarté plus que ça. Ça ne sert à rien de faire le grand écart. Essayez de mettre un petit peu de rythme quand même. Ça, c'est selon votre condition physique, on va changer, top, on change de jambe. Poussez bien avec le talon comme je vous l'ai dit. Et essayez de sentir le fessier à l'arrière de la jambe arrière qui se contracte. Pensez à souffler et à gainer. Après on part sur les burpees. Allez, c'est parti, les burpees, 3, 2, 1, top, allez. Voilà, on saute, on atterrit, on fait la pompe. Vous pouvez laisser traîner les jambes si vous voulez, pour que ce soit plus facile. 3, 2, 1, ok, top, on passe au jumping jack. On enchaîne rapidement les exercices. Top.
Après les jumping jacks, on fait les pompes en triangle, je vous rappelle. 3, 2, 1. Ok, top. Position pompe. Tap. Si c'est difficile, vous mettez sur les genoux, vous gardez le dos droit. Vos mains doivent être au niveau de votre poitrine à peu près. Encore une. Ok. On passe maintenant au breakdance. Donc restez allongé. 3, 2, 1. Top. On descend un bras, l'autre, on remonte en soufflant. Gainez les abdos, faut pas que vous creusiez le dos. Encore une. Ok. Donc voilà. Là, on a fait le circuit une fois. On le fait encore trois fois. 1 minute 30 de récupération, ça vous a permis un petit peu de découvrir les mouvements. Et ce qu'on va faire sur le deuxième circuit, c'est tout simplement qu'on va mettre un petit peu plus de fréquence dans les exercices, si vous y arrivez. Donc l'idée, c'est de, dans les 20 secondes, d'essayer de faire le maximum de répétitions en gardant une bonne forme d'exécution, bien sûr. J'en profite pour souffler un peu, parce qu'en parlant, c'est un peu plus difficile. On est reparti dans 35 secondes. Ça vous laisse le temps de mettre un pouce à l'édifice de cette chaîne YouTube. Donc mettez un like si vous n'avez pas déjà fait, si vous avez oublié. C'est le moment. On va enchaîner un petit peu plus rapidement les exercices aussi. Maintenant que vous connaissez un petit peu l'ordre. Allez, on se met en position fente. 3, 2, 1, stop. Allez, poussez bien, concentrez-vous sur ce que vous faites. On change. Top. Après, on passe sur les burpees dans 5 secondes. Soufflez. 3, 2, 1, on passe sur les burpees, top. Allez, on met du rythme. Cinq secondes, essayez d'en faire le maximum. Ok, top. On passe sur les jumping jacks. Allez, c'est parti. Ça commence à transpirer normalement. C'est bon signe. Dans 5 secondes, on passe sur les pompes en triangle. Allez, top. C'est parti. Cinq secondes. Ok. On reste en bas. Break dance. Top. Serrez-moi ces abdos.
Top. Ok. Encore deux fois. On est à la moitié. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus cardio que renforcement musculaire. Et je peux vous dire que la récupération, elle file à une vitesse. C'est encore pire que... On dirait que l'entraînement, il dilate le temps. Quand on fait entraînement, c'est très très long, 20 secondes. Là, la récupération, c'est très très court. Allez, on s'accroche, les gars. Salut, Ludo. Je crois que j'ai prévu le coup cette fois-ci. J'avais déjà ouvert la fenêtre. On se remet en position. On est reparti. Je fais comme les youtubeuses beauté. Je mets ma main. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top. Pensez à bien souffler, c'est vraiment la clé. Ah, et on change. Après, on passe sur les burpees. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, on passe sur les burpees. Top. C'est du rythme. 5 secondes. Aïe. Passe au jumping jack. Top. Plus vite, plus vite, plus vite. Ok, passe aux pompes, en position, stop. Poussez bien avec les pectoraux. Ok. Passe au breakdance. 3, 2, 1, top. Gardez le dos bien droit. Ne cassez pas le bas du dos. Encore une. Ok. Yes. Allez, du courage. Il n'en reste plus qu'une. T'inquiète, Noam, c'est pas grave. Tu pourras te la faire après. Allez, on est reparti dans 35 secondes.
Pour la dernière. Généralement, quand je mets le débardeur comme ça, c'est qu'on va transpirer. Allez, ben, ne parlez plus. Récupérez. Je bois un dernier coup. Allez, la dernière, les gars. On est parti pour les fentes. 3, 2, 1, top. Tu fais avec les fesses ici. On contrôle la descente. Explosif sur la montée. Ok, on change. Pareil. Contrôle la descente et sur la montée, explosif. Allez, 5 secondes. Ok, top. On passe sur les burpees. Ah. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, je veux une belle pompe et un beau saut. Ok, on passe au jumping jack. 3, 2, 1, top. Plus vite si vous pouvez. Cinq. Ok. Passe au pont de triangle. 3, 2, 1, top. On lâche pas. Encore. Allez, encore une. Ok. On passe au breakdance. 3, 2, 1. Top. Cinq secondes. Ok. Ah ben purée. Pas mécontent que ce soit fini, ça. Yes. Je rouge comme une tomate. Ça peut-être pas la caméra, mais je transpire comme pas possible. Yes. Ok. On va se récupérer un peu. Par contre, regardez bien, je vais vous montrer le circuit abdos qu'on va faire 4 fois aussi. C'est moins cardio, je vous rassure. Par contre, ça va être bien brouillé au niveau des abdominaux. Donc, premier exercice, ce qu'on appelle le reverse crunch. Donc, tout le monde connaît le crunch classique où les jambes sont fixes et c'est le buste qui vient bouger. Le reverse crunch, on va juste, hop, retenir la descente, revenir, on retient la descente, on revient, on pousse. On retient la descente, on revient, là ici il n'y a pas de tension, on lève et on retient. Quand je retiens,
Je retiens pas avec les jambes. Je retiens un maximum avec les abdos. Et je garde le bas du dos bien plaqué. Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice. Jambes en l'air. On va venir, cette fois-ci, lever les mains selon votre souplesse. Vous pouvez peut-être réussir à être comme ça, mais l'idée, c'est d'avoir le bas du dos plaqué comme un portefeuille. Donc, crunch portefeuille. Troisième exercice, ça va être du gainage sur le côté. Donc, 30 secondes. Si vous avez du mal, vous vous mettez que sur un seul genou, d'accord, pour faire l'exercice. Si ça va pour vous, on le fait comme ça. Et si ça va très bien pour vous, vous le faites avec une rotation ici. Voilà, on cherche bien derrière et en relevant. Donc, 30 secondes de chaque côté. Et le troisième, enfin la sixième exercice, quoi, sixième mouvement, c'est toucher le talon. Donc, écarter et on va venir toucher les talons avec ses mains tout en soufflant. Et en ayant les épaules un tout petit peu décollées. Il faut qu'ici vous sentiez que ça serre. Donc voilà le monstre. Si avec ça vous n'avez pas le six-pack, dans quelques semaines, je comprends plus rien. Je change de musique. Parce que celle-là, elle me faisait chier. Ok. Là, normalement, tout votre corps devrait être une aisselle. Donc, c'est le but, hein. Bon, on est parti. Vous laissez guider. Ok, je vous ai montré les exos. Pensez trois choses. Première chose, il faut vraiment que vous essayez de sentir le plus possible vos abdominaux pendant l'exercice. Donc, vous pouvez mettre la main dessus pour les sentir. D'accord? Deuxième conseil, il faut que vous ayez les abdos contractés tout le temps pendant la phase positive du mouvement, comme pendant la phase négative. Vous allez sentir que ça va s'étirer. C'est aussi important le négatif que le positif. Et troisième conseil, pensez à souffler, à chasser l'air de vos poumons avec votre abdomen. Et comme ça, vous allez sentir que ça va encore plus contracter vos abdos. C'est vraiment les trois meilleurs conseils que je peux vous donner pour optimiser au mieux votre circuit. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par 30 secondes le reverse crunch. 3, 2, 1, top. Là, je retiens, tout en soufflant. Voilà, je laisse retomber tout doucement en gardant le bas du dos plaqué. J'essaye de sentir avec mes mains. Corinne. Ok. On passe aux abdos portefeuille direct. Ne vous aidez pas trop avec la tête. Essayez de la laisser enrouler. Ok, on passe au gainage sur le côté. 3, 2, 1, top. Voilà, comme ça, sur le genou ou avec la rotation. L'idée, c'est vraiment que vous essayez de garder un alignement entre la tête, ici mon épaule, mes hanches et mes chevilles. Et vous allez sentir, là où je mets ma main gauche, là, au niveau de l'oblique, que c'est dur. C'est ça qui retient le poids. 3, 2, 1. Ok, on change de côté. Hop, je me change de côté pour ne pas vous tourner le dos. Allez, top. Normalement, il y a un côté sur lequel vous êtes plus à l'aise. Moi, celui-là, j'ai un petit peu plus de mal, bizarrement.
Et essayer de chercher la sensation. Et je serre les abdos. Trois, deux, un. On passe sur le dos. Allez. Top. Allez, cherchez bien loin. L'exuguilas. Cinq, quatre, trois, deux, un. Ok. Bon, ben voilà, ça fait un. Plus que trois. Minute 30 de récup. Oh. Ouais, je transpire, ça se voit. On dirait que je me suis mouillé le bras. Ouais. T'es pas le seul, Mathias, à avoir l'impression d'être dans un sauna, mais on dirait que je me suis mouillé le bras. Ah bah c'est pour bien finir le c'est pour bien finir la semaine hein. Comme ça vous serez bien dépensé ce week-end et au moins si vous faites un peu des repas riches en calories vous vous sentirez un petit peu moins coupable. Allez les gars, courage, on en fait une et on aura déjà fait la moitié donc Allez, on est reparti. On se concentre. Allez. 3, 2, 1, top. On retient, on retient. Le dos, il ne faut pas le creuser, ok? Ok, on passe au portefeuille. Celui-là, il est assez violent, c'est le plus dur. Allez. Pensez à la plage cet été. Encore 10 secondes. Encore une. Ok. Gainage sur le côté. Top. Allez, dites-vous que c'est maintenant. Si vous voulez être au top, ça se construit maintenant. C'est pas à deux semaines des... à deux semaines de partir en vacances que vous allez pouvoir avoir une bonne condition physique. On tient encore 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, on change. C'est parti, top. On tient. On a fait la moitié. Si vous sentez que vos fesses elles ont tendance à baisser, hop, vous reprenez. Bien droit. 3, 2, 1, top. Allez, on est parti sur le dos. Les talons, top.
Pensez à ce que vous faites. Essayez de chercher vraiment là où ça pique. Généralement, c'est bon signe. Ok. Yes. Voilà, on a déjà fait la moitié. Finalement, vous n'êtes pas plus fatigué que tout à l'heure, je pense. C'est juste un coup à prendre. Ah, il y en a qui ont abandonné en cours de route le live. Pas top ça. Je crois que je les ai vexés quand j'ai parlé de l'été. Ça a dû les vexer. Dylan Laurent qui me pose une question entre huile de colza ou huile d'olive. Bah, moi, je cuisine à l'huile d'olive. Je suis de Marseille, donc Méditerranée. Donc, huile d'olive. Ouais, mon t-shirt est complètement trempé. Ça se voit pas, c'est noir sur noir, mais. Allez, 30 secondes de récup. Yes, c'est cool. Fais une dédicace à Bobby le Gros qui bosse dur sur tes exos, merci. Ok, dédicace à Bobby le Gros qui bosse dur sur mes exos. Ouais, Walid, si t'es en ramadan, c'est un peu chaud. Allez, on est bientôt fini, on y retourne, troisième fois. Concentrez-vous. 3, 2, 1. Moi, je mets mes mains ici, là, juste sous mes fesses pour caler. Ça m'évite un peu de casser le dos quand je commence à fatiguer. On retient, Corinne. Ok, portefeuille. C'est parti, top. Soufflez, n'oubliez pas de souffler en montant et de serrer. Ok. Gainage sur le côté. 3, 2, 1, top. Dix secondes. 5. 1. Ok, top. On est reparti. 3, 2, 1. Top. Allez, on peut venir toucher, voir si c'est dur là. On tient encore, encore, encore. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, top. Allez, on se met sur le dos. Trois, deux, un, top. Quinze secondes. Allez, on met du rythme.
10. Encore une. Ok. On y est. Il nous en reste plus qu'une. Après entraînement terminé. Bon, est-ce que vous suivez là dans les commentaires? Non, Régis, je ne paye pas l'apéro après à Marseille. C'est vous qui devez me payer l'apéro normalement. Je vous fais transpirer. Chaque kilo perdu, c'est un apéro de gagné pour moi. Allez, les gars. Non, l'apéro, il n'est pas compris dans le forfait. Désolé. Non, plus sérieusement, pour ceux qui souhaitent voir un petit peu ce que je fais, n'hésitez pas à taper sur Google Natif Fitness. Vous allez tomber sur mon site internet et vous avez une rubrique blog où j'ai fait presque une centaine d'articles avec plein, plein, plein de conseils qui peuvent vous intéresser. Donc allez-y, hein, c'est totalement gratuit, tous ces articles-là, et vous allez apprendre plein de choses. Bien sûr, c'est comme tout, hein. Il ne suffit pas juste de lire, il faut passer à l'action, sinon on n'a pas de résultat. On n'a que de la connaissance, mais la connaissance sans l'application, ça ne sert à rien. Voilà pour le moment philosophique. Allez, on est parti. Dernier circuit. On y va. Allez. Faites du mieux que vous pouvez sur ce circuit-là. 3, 2, 1, top. On retient. Plus on va chercher loin, plus c'est dur. Allez, 5 secondes. Ok, passe au crunch portefeuille. Allez, soyez fiers de vous à la fin du circuit, donnez tout. Ok, passe au gainage. Allez, en position, 3, 2, 1, top. On bouge plus. On tient, on tient, on tient. Allez, 10. On tient, 5, 4. 3, 2, 1, top. De l'autre côté, c'est bientôt terminé. Top. Allez, dans moins d'une minute, c'est terminé. Secondes, c'est pas le moment de lâcher. 3, 2, 1, top. Allez, pas sur le dos. Essuie-glace. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Allez, on y va. 10 secondes. Ok. Top. De top.
Yes. Vous avez tenu jusqu'au bout. C'est vraiment pas facile. Mais là, normalement, vous avez dû bien sentir vos abdos brûler. Pas que les abdos, d'ailleurs, on a fait aussi les obliques. On a fait les muscles profonds de l'abdomen. Donc, félicitations aux 49 survivors qui étaient là. C'est super. Bravo à tous. Yes, Régis, Germain, Yann. Ouais, là, deux portefeuilles, ça tue. Yes. Bon, alors maintenant, c'est pas le moment de directement se foutre sur le canapé et de s'enfiler un soda ou une tartiflette, ok? Prenez le temps de, là, vous avez quoi? 1 heure au moins avant de manger. Essayez de vous préparer un petit truc sympa. Je sais pas ce que vous avez comme légumes avec une bonne viande. Voilà. Préparez-vous un truc là pendant la demi-heure qui arrive. Ça vous laisse le temps un petit peu de transpirer. Et puis vous allez voir que à partir du moment où vous êtes entraîné, vous allez avoir envie en fait de bien nourrir votre corps. Parce que là, c'est important d'amener les nutriments au corps ben, pour que justement ils puissent se reconstruire plus fort et que vous puissiez ben, avoir plus de gains musculaires, perdre du gras, etc. Donc ce n'est pas du tout le moment de faire n'importe quoi. Au contraire, il vaut mieux bien manger maintenant et se faire plaisir plutôt demain à la limite. Donc voilà pour le petit conseil. N'oubliez pas que l'entraînement c'est bien, c'est une chose, mais l'alimentation ça joue aussi beaucoup. Parce que même si vous entraînez très bien, si vous mangez n'importe quoi à côté, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Bon, je compte sur vous pour partager cet entraînement autour de vous. Information importante avant que vous partiez. Ce week-end, je ne ferai pas d'entraînement. Donc, je reprends les entraînements en live lundi à 18h. Donc, lundi, on sera le, je regarde, le 27 avril à 18h. D'accord? Entraînement. Pour ce week-end, pour ceux qui veulent s'entraîner, vous avez bah, tout plein de directs que j'ai fait depuis le début du confinement sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez une playlist spéciale. Vous en avez une bonne quinzaine. Donc, voilà, faites celui qui vous plaît si jamais vous voulez vous entraîner. Sinon, reposez-vous. Moi, je ne vous cache pas que je vais me reposer ce week-end un petit peu. Parce qu'entre le travail, les lives, s'occuper de l'appartement, etc., ça prend du temps. Donc voilà un petit peu. N'oubliez pas de me taguer sur les stories Instagram pour ceux qui ont Instagram. À chaque fois, ça me fait plaisir de vous voir un petit peu dans le même état que moi parce que je ne vous vois pas à travers l'écran. Donc vous voyez que je souffre, mais moi, je ne vous vois pas souffrir. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est cool. Allez, bon week-end à tous. Bon week-end Olivier. Bon week-end Gilbert, Stéphane, Michel, Noam, Régis. Hop là. Jo, Carlos, Nico. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. À très vite, à lundi, 18h, pour un pré-entraînement en live. Je compte sur vous pour être présent. Et pour en parler autour de vous. Allez, ciao, ciao!